Un jour, dans une soirée slam, un texte lu, un verre offert, et ce sera du jus de poire qui ira au fond de mon verre. Si j'ai pas trop peur des kidam, ces quelques mots feront l'affaire. Je peux pas garder pour moi ce qui m'a été offert. Ce texte s'appelle « Qui l'eût cru divorce ». Alzheimer, Parkinson, cancer ou allergie, on te fait croire que t'as pas de chance et que c'est comme ça, tant pis. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est bien toi qui choisis. Quand tu bois, quand tu manges et par ton mode de vie. Moi je dis ça, je suis pas doc et peut-être toi t'es pas dac, mais ma vie a changé depuis que j'ai changé mes actes. C'était genre il y a 6 mois, je me souviens plus de la date, j'ai signé de mon plein gré confiante un nouveau pacte. Maintenant je mange cru et plus rien n'est pareil. Déjà je tremble plus, j'ai retrouvé le sommeil. L'arthrose et les maux de tête, le Crohn et les migraines, plus que des souvenirs qui dans ma mémoire traînent. J'ai arrêté de fumer et j'ai perdu du poids, et tout ça sans effort, un peu comme malgré moi. Ma peau est devenue douce, vas-y touche, faut que tu me crois. Plus d'acouphènes, plus de crampes, enfin bref, que de la joie. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, tu te demandes? Pur délice. Des jus de fruits qui nettoient, des jus de légumes qui nourrissent, des salades de qualité, en quantité, pas d'avarice. Et bien sûr, pour l'apéro, j'ai fait une croix sur le pastis. Aujourd'hui, j'ai la pêche et mes idées sont claires. Je ressens mieux les choses comme si j'avais du flair. Alors si t'es malade et que tu sais pas quoi faire, pense à ce petit conseil. Mange cru et régénère.